Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mars 2024. Voici le texte pour cette pensée biblique quotidienne, Luc 16, versets 19 à 31. En voici le titre. Malheureusement, c'est trop tard. Avec cette parabole, Jésus interpelle les pharisiens qui étaient très attachés à leur argent. Elle met en scène deux hommes. Un riche qui passait son temps à jouir de la vie, dans le luxe et la richesse, et un pauvre Lazare qui se tenait à l'entrée de sa maison. Ce dernier était couvert de plaies et vivait dans la faim. À sa mort, Lazare fut emporté auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et connut de cruelles souffrances dans le séjour des morts. Un immense abîme infranchissable séparait les deux hommes. Se souvenant de ses frères, le riche aurait aimé que Lazare ressuscite pour aller les avertir afin qu'ils ne finissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Abraham, dans sa réponse au riche, lui rappelle qu'un miracle aussi grand qu'une résurrection ne suffirait pas. En effet, même la résurrection du Christ n'a pas pu produire la foi chez ceux qui ne voulaient pas écouter les Écritures. Le seul avertissement que Dieu laisse aux hommes, c'est celui de sa parole qui interpelle l'être humain et qui lui demande de changer et de croire au message de la bonne nouvelle. Remarquons que la mort scelle la destinée de chacun. C'est aujourd'hui le jour du salut. Après notre mort, rien ne pourra changer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube à l'adresse suivante @pasteurphilippebonicel. À demain.